chiens et chats ont toujours été et restent malgré leur domestication des carnivores. Les études récentes démontrent que ce régime est parfaitement adapté à leur anatomie et physiologie. Le chat est un carnivore strict, le chien, lui, est un carnivore opportuniste. Il peut se satisfaire d'une alimentation un peu plus riche en amidon que le chat. Mais sa nature profonde reste basée sur l'utilisation des protéines et graisses animales. Nos aliments respectent ce principe fondamental. Le régime carnivore correspond au goût du chien et du chat. Il leur apporte naturellement tous les nutriments essentiels et couvre les besoins de toutes les fonctions de l'organisme pour un confort et une qualité de vie optimum. Attention au régime végétarien ou vegan, ils peuvent entraîner chez les carnivores des carences et des maladies graves. Le régime carnivore privilégie les protéines animales et réduit au maximum l'amidon, qui est une source d'énergie mal valorisée par les carnivores. Il aide à maintenir la masse musculaire et la mobilité, à prévenir le surpoids et certains troubles urinaires. Il contribue aussi à la qualité et la santé de la peau et du pelage. Tous ces bénéfices sont démontrés par des études et ils sont rapidement visibles par le propriétaire. Les croquettes sont un aliment complet, équilibré, simple à utiliser. Contrairement aux idées reçues, les changements alimentaires ne sont pas bénéfiques aux chiens et aux chats. Une recette constante est plus adaptée à leur système digestif. Et elle permet aussi de prévenir les déséquilibres ou de corriger des désordres existants, à condition que les croquettes soient de bonne qualité. Je dirais veiller à la régularité de leur régime alimentaire, respecter leurs préférences et leur physiologie, qui sont celles d'un carnivore, et adopter un équilibre nutritionnel qui privilégie les protéines animales et réduit l'amidon.